Salut à tous les amis, c'est GamerFresh, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Crysis 3. Alors, on s'était laissé sur cette sortie ou entrée qui mène sur deux côtés possibles. Je sais pas lequel est bloqué, vu que j'ai pas regardé à gauche à droite, nous allons suivre ça. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Like that. Non, pas par l'arc. Le flingue, voilà, par le cavolt. Oh yeah, like a volt. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre dessus déjà? Un petit viseur? Ouah, c'est génial ça. Déjà un petit viseur pour ça, c'est génial. Point de contrôle atteint. Ah bah c'est nice. Continue d'avancer, on se retrouve plus loin. Ok. Merci. Ok, ça marche. On bouge. Ok. Ok, d'accord. Vous avez entendu ça? Non, c'est pas vrai, tu m'as pas entendu. T'as un gros menteur. J'avais cru voir un truc. Coucou. Non, c'est juste un oiseau. Ça, c'est un oiseau aussi. Je sais pas viser. Je voulais l'avoir dans la tête, mais je me suis dit... Voilà. C'est quoi ce truc? On dirait le générateur d'Half-Life 1 en version Crysis. Je m'égare. J'utilise le camouflage. Alors que je n'avance pas. C'est génial. Bon, avançons parce que là... Ça commence à bien faire. Allez toi. Oui, en plein dans le cœur, allez. C'est la merde. Non, si tu m'as pas vu. C'est bon, j'arrive les gars. Coucou, t'es mort. Ouais, vas-y, il se passe quoi? Vas-y, la racaille. Oh non, pas vrai. Non, j'ai violé personne, non, je vous jure, j'ai pas violé personne. Psycho, je passe à la zone suivante. Psycho? Ouais. Bien sûr. Là, on dirait une piscine, deux piscines. Prends le coup. J'aime pas qu'on m'arrête par derrière, je vérifie toujours ça. Il m'a plus que deux flèches, je vais pas les louper ceux-là. Tu veux manger un flan? Mais venez, venez. Alors toi, si t'arrêtes de bouger... Énergie, drink. Blague pourrie. Une flèche impact, d'accord. Je suis caché, vous voyez ma tête, mais je suis caché. Coucou. T'es mort. Il n'y a rien qui me voit, ok, pas d'alerte, c'est parfait. En fait, je peux récupérer les flèches sur mes victimes. Ok. Faut que j'aille sur mes autres victimes pour récupérer mes flèches, en gros.
J'aurais su ça, ça aurait été beaucoup mieux. T'es un ennemi toi ? Je suis parti hein. Salut. J'y suis presque. Je vais essayer de récupérer mes flèches parce que je suis à une flèche. Où est-ce que j'ai des victimes? Timmy. Headshot. Energy. Mais attends, c'est moi ou les guerres sont illimitées là? Comme le hunter, je chasse. J'ai pas l'air d'avoir des tirs dessus, donc j'ai l'air d'avoir, pour ainsi dire, tout tué. C'est pas une très bonne idée là-dedans. Surtout que ça fait comme la combi de Gordon Freeman. Ça fait... ça pue les radiations. Alors, où est-ce qu'on doit aller? Over here. Ok man, let's go. Ah, je crois que c'était un mec là, j'étais là. J'ai pas fait attention. Point de contrôle. Il y en a beaucoup, hein. Le point de contrôle. Tico, je suis passé. Ta gueule, toi. Rendez-vous devant l'ascenseur de la tour. Toi aussi. Toi aussi, ta gueule. Seulement je pouvais faire pareil. Ah d'accord, c'est une tourelle. Non, j'ai rien dit. The fuck. Copain ? Ouais, copain. Où sont mes autres flèches ? Alors... tac... merde. Oh, j'ai réussi. Je m'étonne moi-même. J'ai hâte de trouver des nouvelles munitions de flèches parce que là, ça devient le bordel. C'est quoi ça? Non, je parle pas de ça. Salut. Quoi? Et the fuck? Il me dit pas qu'il y a des flèches sur lui. On fera la jonction avec mes hommes une fois entrés. Tes hommes? Depuis quand? Tu me connais, je bosse toujours en équipe. Mais je suis passé où mes flèches? J'irai nulle part tant que j'aurai pas eu de réponse. Ouais, okay. Je me rappelle. La plupart quand tu auras des réponses. Dettes, le sel détient toute notre énergie. Tu peux pas payer, tu travailles pour rembourser. Et bien sûr, t'y arrives jamais. Tu te retrouves à bosser toute ta vie pour éponger tes dettes. Pas d'autre choix. Enfin, si, un seul. Résister.
La suite du dialogue après le son monté. Quel suspense. Dialogue, c'est quand même plus important. C'est reparti. Écoute, laisse-moi t'expliquer ce que le sel a manigancé pendant ton absence. Ouais. Je pense que tu y verras plus clair. Grosso modo. Qu'ont-ils fait en 27 ans ? Bienvenue à New York, version 2.0. Putain, c'est beau. Pas pour New York, hein, pour la végétation. Je détecte une signature énergétique. Le sel, il exploite l'énergie d'une technologie alien. Tout leur réseau est alimenté par une machine Ceph abritée sous ce dôme. Ça peut pas être aussi simple. C'est pourtant simple. Tu coupes le courant, le sel meurt. Un vrai jeu d'enfant. Non. L'Alpha Ceph m'a montré une vision. J'en suis convaincu. Y a plus qu'à faire la connexion. Prophète, les aliens, c'est du passé. C'est même toi qui les as exterminés. Il en reste quasiment plus. Non. C'est pas terminé. La preuve est sous nos yeux, quelque part dans le coin. On touche au but. Écoute, pendant que tu cavalais après ton fantôme de super-alien, le sel a conquis le monde. Il faut absolument que tu te remettes à la page. On a besoin de toi pour les arrêter. C'est bien plus qu'une révolution qui se joue ici. Ce que j'ai vu, le sel manie des puissances qui dépassent son entendement. Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête, mais c'est la fin du monde assurée si on ne les arrête pas. Ouais, ça tient qu'à nous. Allez, on s'y met. On va se mettre au boulot, on va leur péter les rotules, comme disait GLaDOS. Le matériel est intact. Phase finale initialisée. Ok. Bien reçu, Roméo 1. Vous avez nettoyé le périmètre. Le Dôme de la Liberté est conçu pour contenir une menace Ceph. Vous avez l'avantage. Les équipes du CEL préparent leur riposte. D'après nos estimations, vous avez 30 minutes devant vous. La zone surlignée est toujours l'objectif. L'activité au sol est minimale, mais les tours sont à 100% opérationnelles. Ok. Soyez prudents. Et surtout, ouais. Pas de risque inutile, Roméo 1. Ça marche. Donc on doit aller dans ce gros bâtiment. Initialisation, ok. C'est bien ça, qu'il attend que le jeu attend qu'on soit ok pour pas passer au jeu. Par exemple, si on n'est pas devant l'écran. Elle, c'est clair. Ça aide. C'est elle qui commande à New York. Elle n'est pas de l'armée, mais elle est du genre à imposer le respect. C'est tu qui respectes la hiérarchie, toi ? Ah, en fait, elle s'en fout. Eh merde ! Elle m'a fait jurer de fermer ma gueule. Ouais, bon. Techniquement, j'ai trouvé un livre compromettant. Oui, un article de la base de données. Qu'est-ce qu'on entend par article de base de données ? État de service, c'est ça ? Ouais, non, mais c'est tout. Perturbation système. Ok. Mate-moi ça. La nanotech, tout droit sortie des labos d'écorchage. Optimisation localisée, intégration immédiate. Ok. Relancer le kit. Ah d'accord, comme un système de... Ah ouais d'accord, c'est pas mal. Leur système est vraiment bien foutu.
En gros là, super furtivité, rapidité furtivité plus 50%, résistance au radar 50%, amortisseur avec les balles 50%, vitesse de récupération, furtivité, temps de camouflage plus 20%, régénération de santé, boost santé critique, bien sûr du radar, rapidité de piratage accru, moi j'ai joué. Et ça, résistance armure plus 1%. En gros, ah maintenant on peut choisir si on est bourrin, furtif. Là, ça requiert 3. Donc celui-là, comme il savait qu'on allait le prendre de toute façon. Ah, d'accord, ça fonctionne par 2 paliers. Bah, le plus important c'est pas faire de bruit et de d'avoir une bonne furtivité quoi. Donc jusqu'à rapidité de furtivité et temps de camouflage. Temps de camouflage s'il vous plaît. Réinitialisation nano combinaison. Bon, j'espère que ça vaut le coup. Ok. C'est pas mal leur système. J'aimerais juste des flèches, c'est tout ce que je demande. Oh my ghost, c'est beau. Le voilà, le dôme de la liberté. Un bon gros sonar. Toi avec ta combi tu sentiras rien. Une chaleur infernale là-dedans. Normal vu la végétation. Ça a beaucoup changé. Ça a commencé comme ça. Les gens ont signé pour le sel contre de l'énergie bon marché. Le sel produisait de l'énergie gratos. Ils ont pas tardé à se tailler le monopole. Et c'est là que les prix ont explosé. Les gens croulaient sous les dettes. Et le sel les envoyait de force dans des camps de volontaires. De l'esclavage, quoi. Ouais, en gros, c'est des sortes de nazis, quoi. Il faut éradiquer le sel. Parce que les nazis, c'est pas très bon. C'est piégé. Les mines intelligentes du sel n'explosent qu'à la gueule des rebelles comme nous. Utilise ta nanovision. Sers-toi de ta combi pour interfacer avec les mines. Neutralise-les. Comme méthode. Ça devrait faire l'affaire. Allez. Alerte. Explosion de mine détectée dans le secteur 1 Delta 4. Je voulais avoir confiance. Je voyais une mine qui me narguait. Qui fait, toi, tu vas passer là-dessus. Oula, qu'est-ce qui... Hein ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Rien. Un afflux d'énergie. Comment escape base de données, mais ça, what the fuck? C'est fini. Balayage du secteur 1 Delta 7. Besoin d'aide? Ouais, bon bah c'est à moi de le faire. Trop facile. Moi je suis un connard. Tu t'es juste fait très mal hein. T'aurais pu me le dire. J'ai une combinaison pourquoi. Les graphismes sont juste what the fuck. Est-ce que ça va? C'est derrière. Là, la marque de la mort. Si on se fait repérer, c'est foutu. La marque de la mort. Merde, recule! Qu'est-ce que t'entends par marque de la mort? Mais c'est mort.
La 34e rue est encore loin? Quelques kilomètres. Faut contourner la zone d'interdiction. En gros, ouais. Non. Le sel rapplique. Pas le temps de contourner. Vu le rayon d'action et la cadence de tir, ça peut gérer. On peut couper direct à travers. Vous avez entendu? Je vous prends tous à la fois, connard! Hâtez-vous, allez, ouais! Merde, tu débloques! Ces armes vont te tailler en pièces! Ah, t'as compris maintenant? On m'a dépouillé de ma combi! Je suis qu'un humain! Humain? Tu sais tout ce que j'ai sacrifié pour arrêter les SEF? Je récupère ça comment? Oh, merde! Bref, tu comptes faire quoi? De l'appui. Bon, moi je désigne les cibles, et je te rencarde. Toi tu te charges du reste. Ça ressemble pas au psycho que je connais. J'ai changé. D'accord. Bon, ça bibite tout faire alors. Ok, voilà comment on va procéder. J'annonce les coordonnées. Par exemple, une balle, secteur 1 Delta 0. C'est des caches d'armes potentielles. La tour 3 Delta 3 est la cible principale. Dès qu'on a le matos, on fait tout activé. Secteur 1 Delta 3, ça se présente bien. Là, secteur 1 Delta 0. Secteur 1 Delta 2, il y a un truc là. D'accord. C'est bon, fais un tour d'horizon rapide et on passe au secteur suivant. Rien en vue. Faut pas être en portée de ces trucs, il faut se camoufler. Bug de texture, ça commence bien. Balayage du secteur 1, camouflage activé. Balayage du secteur 1. Et non, 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 non. Alerte. Sujet prophète. Je la profile pas, elle fait pas griller depuis la tour. Faut vraiment que je te le dise. Désolé, j'ai pas fait exprès. Camouflage activé. Waouh, c'est quoi ce... C'est quoi ce monster bug? D'accord, elle me voit comme ça, elle. Enfin, elle, lui, je sais pas, moi. Enfin, le truc, quoi. Genre, le truc, il me voit à travers le... Faut arrêter, hein. Ma première mort dans Crysis 3. Elle m'a tiré dessus. Enfin, j'ai fait ah waouh waouh quand je suis mort. Espèce de shité, va. Ok, voilà comment on va procéder. J'annonce les coordonnées. Par exemple, secteur 1 Delta 0. C'est des caches d'armes potentielles. La tour 3 Delta 3 est la cible principale. Dès qu'on a le matos, on fait tout péter. Ok, dès que je peux essayer de mettre secteur à couvert. Secteur 1 Delta 3, ça se présente bien. Dans une zone en plus facile, hein, c'est ça le pire. C'est ça qui est chiant. Là, secteur 1 Delta 0. Secteur 1 Delta 2, il y a un truc là. Ok, j'arrive. Balayage du secteur 1 Delta 2. C'est bon, fais un tour d'horizon rapide et on passe au secteur suivant. Rien en vue. Alerte. Sujet
Oh, c'est pas vrai. Ne la profile pas et te fais pas griller depuis la tour. Faut vraiment que je te le dise. C'est bon, mais calme. Non, non, mais je suis bloqué. C'est pas vrai, oh. Rien à signaler. Non. Non, je suis pas là. D'accord, le gros trou qui peut me voir, quoi. Genre, elle me voit. Genre, la tour me voit. Genre. Pourquoi je gaspille d'énergie comme ça, bêtement? Pourquoi? Non, ouais, continue à croire que je suis là-bas, t'inquiète pas. Priorité secteur 1 Delta 6, on a un gros client là. Ah mais c'est loin. Faut pirater ces foutues tourelles, c'est ça en gros. Heureusement que j'ai le train rouillé qui me protège hein. Tu vas te calmer la tourelle. Ok, au suivant. On y aller discrètement. Alors c'est derrière les chouchous. C'est bon, on l'a pas vu, ça va. Ça m'a pas mis danger. Hop, c'est reparti. Chargeur vide. Système d'armement désactivé. C'est quoi ces armes... Enfin, ces images crimeurs. C'est une arme alien. On peut pas s'en servir. Ah bon? Eh ben... Chargeur plein. Système d'armement actif. Système de tourelle, mort dans quelques secondes. Putain, comment tu te sers de ce truc? Et de deux. Putain. Ciao. Manière n'enchante pas, mais le résultat, par merde. Ok, t'as attiré l'attention du sel. Je suggère qu'on foute le camp. Ça, c'est fait. Alerte. Tour de défense aérienne, 3 Delta 3, désactivé. Unité d'intervention, redéployez-vous sur zone immédiatement. Indique-moi ta position, qu'on se rejoigne. Bien sûr. Pas mal cette arme. Nanovision activée. Yes.
Nanovision activée. Ah, c'est énorme, genre on peut l'utiliser comme ça et après on l'utilise plus quoi. J'aime bien avoir le chemin bien lisse. Ok, la mine bien pupute. Je suis surtout bloqué. Premier bug, mais c'est génial. Genre, on se retrouve après ces débugs. Donc nous revoilà, on était... On s'était laissé sur ce champ de mine avec la pierre buggée, où une mine un peu pupute nous a explosé à la gueule. Donc, vu la longueur de la vidéo, on va se laisser là, et on va se laisser pour le prochain épisode, pour ce champ de mine et pour le reste. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un like, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne, et n'hésitez pas à mettre un commentaire sur l'avis que vous avez sur le jeu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bye tout le monde. It's okay, I'm good. Let's go!